Et puis vous pouvez jouer sur plusieurs aspects, la journaliste occidentale très carrée, la femme plus en retrait, vous pouvez jouer sur plein de gammes, alors que d'un homme, souvent dans certaines sociétés, on attend qu'un homme il se conduise de façon très très carrée, il n'a pas beaucoup, beaucoup la même marge de manœuvre en tout cas que celle que j'ai l'impression de pouvoir avoir, mais peut-être que je me trompe complètement. Alors, je m'appelle Claude Guibal et je suis reporter. J'aime bien ce mot. Reporter. La curiosité, j'imagine. C'est la question de la vocation, parce que le journalisme, c'est vraiment un métier de vocation, effectivement. C'est très difficile, mais j'ai des souvenirs de gosses, mais il y a eu des événements, il y a eu des choses importantes, il y a eu des films, notamment La déchirure de Roland Joffé. Cette forme d'engagement journalistique, je trouvais complètement dingue. Et puis moi, j'étais adolescente quand il y a eu des bouleversements très importants, comme la chute du mur de Berlin. Je me disais, mais les gens qui sont sur place et qui ont la possibilité de d'être là, d'être témoin et de ressentir ça, je trouvais ça mais incroyable. Incroyable. En un mot, chance. Trop de chance. C'est d'avoir eu, une fois de plus, la chance de vivre des choses dingues comme les révoltes arabes, en les vivant sur place, en étant déjà depuis très très longtemps dans ces pays. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de dingue quand vous avez la possibilité, voilà, d'être à la fois dedans, dehors, d'un événement aussi énorme. Et ça, c'est incroyable, j'allais dire, voilà, y retourner et revoir les gens, refaire le point, rééchanger, ça c'est ça oui, c'est des... C'est des vraies satisfactions. Le pire, je ne sais pas, mais il y en a plein quand on se rend compte, on s'en rend compte, hein, on n'a pas été à la hauteur de l'événement auquel on a assisté ou du témoignage qu'on a recueilli. Là, moi, j'ai un vrai sentiment de ratage parce que je n'ai pas su trouver les mots, parce que je n'ai pas su expliquer, parce que j'ai quand on vous confie une parole, c'est hyper important vraiment d'avoir le sentiment d'avoir fait de votre mieux pour la restituer la plus fidèlement. Si on n'est pas à la hauteur de cette parole, pour la rendre du mieux possible, de ces événements, c'est un ratage, et il y en a beaucoup. Alors, comme je dis souvent, moi, je suis une vilaine petite rapporteuse. Non, j'aime beaucoup le mot reporter parce que d'abord il est neutre et il dit bien la façon dont je conçois ce métier. C'est celui qui rapporte, qui va chercher, qui ramène, qui raconte. Voilà, ça se conjugue, ça se décline au masculin, au féminin, c'est bien. Je voudrais surtout pas devenir aigrie, surtout pas l'impression de redire la même chose, surtout pas l'impression de... Voilà, je voudrais toujours garder ce plaisir dingue qui fait qu'à chaque fois je me dis « Oh là là, mais quelle chance d'y être !» Voilà, c'est surtout ça que je voudrais continuer à être dans 10 ans.